Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Bien-aimés, nous sommes en patience pour le ciel. Et nous avons besoin toujours de la grâce de Dieu dans cette marche pour le ciel. Que le Seigneur nous aide à marcher comme il se doit. Nous avons un bien-aimé qui a posé une préoccupation. Je vais dire, tout à l'heure que tu vas être venu, mais je vais essayer de répondre. Alléluia. Recevez mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre prédication concernant les 10 vierges. Vous avez interprété que 5 étaient purs et les autres étaient impurs. La Bible ne dit pas qu'elle était toute vierge et que c'est lui, le Saint-Esprit, qui manquait dans la lampe des 5 vierges folles. Je ne vous ai pas saisi dans ce sens, parce que la Bible le dit, jamais qu'elle était impure. Pouvez-vous m'éclairer quelque part pour éviter que je sois égaré, suivi de quelques versets bibliques que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, c'est le devoir des frères, quand ils ne comprennent pas quelque chose, de poser des questions. Et si je me souviens, je pense que le frère qui a posé certainement cette question ne t'est pas présent quand j'apportais un enseignement sur les vierges. Parce que j'ai ignoré mon temps là-dessus. Alors, je veux savoir que lorsqu'on parle des 10 vierges, la virginité, ce qui marque la virginité, c'est la vie de sanctification. Alléluia. Les 10 étaient vierges. Et là où j'ai parlé de pureté, je pense que c'est lorsque je disais dans le livre de 2 Corinthiens, nous allons voir, hein, le chapitre 11, dans ma prédication, quand j'en parlais. 2 Corinthiens chapitre 11, chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un époux, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Là, il est précisé vierge. Mais à la fin, il y a la pureté. N'est-ce pas? Or, le mot pur veut dire ce qui n'est pas l'objet d'un mélange. C'est pourquoi j'ai donné l'explication pour mieux me faire comprendre par les faits. J'ai fait savoir que lorsqu'on prend un jus de fruits, prenez par exemple un jus
on ne peut pas dire que le jus d'orange est pur. Pourquoi? Parce que le jus d'orange a été coupé d'eau, a été mélangé par l'eau. Alléluia. Donc, c'est vrai que c'est du jus d'orange qu'on boit, mais c'est du jus d'orange mélangé avec de l'eau. Ce n'est pas pur. Or, quand on presse le jus d'orange, et que on ne mélange pas cela de l'eau, alors que le jus d'orange est pur, est naturel. Donc quand on parle de la pureté, c'est quelque chose qui n'est pas l'objet d'un mélange. Maintenant, j'ai donné aussi cette illustration. Le jus d'orange peut être pur. C'est-à-dire qu'on le prend, on le presse. On met dans un verre. Mais à l'intérieur du verre, si le verre est sale, le jus d'orange est pur, mais le verre lui-même est pur. Donc on trouve du jus pur dans un verre impur. Or, quand le verre est lavé, le verre est sanctifié. Est-ce que vous voyez? Le verre est nettoyé, il est sanctifié. Avec du jus d'orange pur là-dedans, alors on parle maintenant de verre ayant à l'intérieur un jus pur. Donc le verre qui est sanctifié est pris un peu comme une vierge. Et le jus d'orange à l'intérieur est pris comme la parole, la pureté. Alléluia. Donc, le verre qui est vierge et le liquide qui est le jus d'orange à l'intérieur est nettoyé et pur. Alléluia. Alors, on parle d'un verre qui contient un jus pur. Maintenant, si le verre est propre, c'est-à-dire sanctifié, et qu'à l'intérieur, il y a un jus, non seulement peut-être qu'il peut être pur, mais qui n'est pas, comme on le dit, propre, alors il y a des impuretés dans le jus. S'il y a de l'eau, le jus n'est pas pur. Alléluia. Donc il y a aussi quelque chose de quelqu'un qui n'est pas conforme. Donc quand on parle de vierge, c'est, je ne sais pas comment je vous ai dit, c'est le fait de la sanctification. Elles n'ont pas produit d'offre. Elles ne sont pas données à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Elles ont une vie saine. Mais maintenant, la situation où cela se trouve, c'est au niveau de la parole. Parce que, imaginez-vous, les deux avaient. Nous allons lire cela pour mieux voir. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 25. Matthieu 25. Après le verset 1. Alors, quand même, des cieux est semblable à du vierge. Qui est la plus belle âme? Allez à la rencontre de l'époux. Donc, on parle de 10 vierges. Elles ont pris la lampe et elles allaient à la rencontre de l'époux. Des 10. 5 d'entre elles étaient folles. Donc, on parle de 5 folles. Et de l'autre côté, on parle de 5 sages. Mais quand on parle de la folie, c'est un dérèglement. Le fou, lui, fait quoi? Il mange à n'importe quel endroit. Il peut manger de la charogne, il peut manger de la nourriture, lui il mélange ses repas. Mais les sages, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne se nourrissent qu'à la révélation de leur temps. C'est pourquoi il est dit que là où se trouve la viande fraîche, là ça sent que les aigles. La viande fraîche, c'est la viande du jour, le repas du jour. N'est-ce pas si vous saisissez? Mais les pauvres, elles retournent à la charogne. Elles retournent à la nourriture qui est dépréciée. Quand on parle de la nourriture dépréciée, c'est-à-dire que c'est la nourriture qui n'est pas mangeable. C'est pourquoi on parle de la folie, le fou. Lui, il va, il mange dans la poubelle. Il arrive du plat, il voit le caniveau, il boit. Il bavarde. Il boit n'importe quelle doctrine. Il mange n'importe quelle.
parle maintenant, dans le livre de Corinthiens, au lieu de parler maintenant de vierge sage, le Seigneur a parlé de vierge pure. Cela va dans la même direction, dans la même orientation. Mais dans la dénomination de la vérité, il y a des personnes qui vivent une vie honorable, qui ne montrent pas, qui ne volent pas, qui ne commettent pas adultère, qui ont une vie sanctifiée. Alléluia. Mais ils n'ont pas la parole pure. Parce que ils n'ont pas la pureté, c'est au sujet de la parole. Père, sanctifie-les. Pas ta parole, car ta parole est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole qui nous rend pur. Excusez-moi, hein, je vois si on peut lire un passage. Pour discuter cela. Nous allons prendre 1 Corinthiens 5. Je vois que j'ai oublié. C'était après que je n'ai pas préparé, c'est tout à l'heure là. Quand j'ai aperçu la personne la question, que je me suis venu de la question. Dans le 1 Corinthiens chapitre 5. Écoutez bien, regardez bien ceci. Il dit ici, à partir du verset 7. Faites disparaître. D'abord, le verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas que un peu de levain fait lever toute la pâte? La pâte, c'est la parole. N'est-ce pas? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et il continue. Célébrons donc la fête. Non, la fête du Dieu levé. N'est-ce pas? Non, avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. On parle de la pureté. Or, nous avons vu que le levain, c'est aussi le mauvais enseignement. Or, l'enseignement pur, c'est l'enseignement qui vient de la vérité, qui vient de la parole. Vous voyez? De la doctrine apostolique. C'est ça qui est l'enseignement pur. C'est ça qui est le pain sans levain. L'enseignement qui est donné. Donc les vierges sont nourries de la manne pure, de la parole pure. Alléluia. Amen. Donc, quand on explique, les vierges sages iront à l'enlèvement. Les vierges pauvres passeront par la grande tribulation. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez lui. Mais lui, il a censé à quoi? À révéler la parole de Dieu. C'est lui qui nous éclaire. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à marcher dans toute la vérité, dans toute la pureté de la parole. C'est pourquoi nous disons aux frères que le but de sanctification est nécessaire. Parce que ce soir, il va déterminer notre divinité. Alléluia. Maintenant, en dehors de la vie de sanctification, il faut avoir une parole véritable et pure. Une parole sans mélange de pensée humaine. Quand tu as ces deux, tu sais que réellement tu es en route pour le ciel. Mais si ta vie n'est pas une vie de sanctification, quand même que tu as reçu une parole pure, quel mot on te donne la sagesse de Dieu? N'est-ce pas? Cela ne servira à rien. Mais pourquoi? Parce que la sagesse qu'on enseigne, la sagesse, c'est le commencement de la science. La folie, c'est le rejet de la vérité et de la science de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ils n'ont pas même d'impureté. Mais quelqu'un peut être impur. Mais le fou, il est plus que celui-là de Dieu. Ça ne sont pas de folie. C'est-à-dire que lui-même, sa situation est très grave. Il ne sait même plus ce qu'il fait. Mais quelqu'un qui est impur,
il n'a pas peur de vous. Mais ça, ça, il partage dans ce qui n'est pas correct. Il marche dans une forme d'impureté. Je ne sais pas si vous êtes ici. Donc, les vierges, elles étaient sanctifiées. Mais il y avait un groupe qui était fort et l'autre groupe qui était sage. Donc, les sages, ce sont celles-là qui ont marché dans la pureté. C'est pourquoi on parle de vierge sage. Alléluia. Donc, quand on parle de sage, la sagesse, ce sont ceux-là qui font un retour total à la volonté de Dieu, à la science de Dieu. C'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement de la science de Dieu. Maintenant, la folie, c'est le fait également, comme on le dit, d'être insensé. De faire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas conformes. C'est ça la folie. Donc, les vierges, quand on parle de vierges folles, on se dit qu'elles sont impures parce qu'elles ne vivent pas dans une parole qui a été restaurée et rétablie. C'est pourquoi on parle de vierges impures. Alléluia. Donc, vous comprenez, frère. Donc, quand on parle de pureté, c'est ce qui est l'objet de l'élan. Quand quelqu'un devient impur, c'est que sa vie n'est plus saine. Mais qu'est-ce qui rend la vie saine? C'est la parole. Les hommes s'élèvent en disant qu'on a la possibilité de vivre comme on veut, de marcher comme on veut. La grâce de Dieu est là. Si même nous mourons entre les fils et nous prostituer, alors le Seigneur viendra nous chercher. Mais c'est de l'impureté. Parce que la parole qu'il reçoit n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc automatiquement, la parole elle est là et pure. Alléluia. Et si la parole est là et pure, les amènent dans la folie. Amen. N'est-ce pas? Donc, ça les rend fous. Mais quand tu découvres la vérité, quand tu passes dans la révélation de la parole de Dieu, tu passes dans la pureté de la parole de Dieu, tu deviens sage. Amen. Donc, je ne sais pas comment je vais expliquer. Je crois que certainement, peut-être que si le Père n'a pas trop saisi, ou que la personne n'a pas saisi, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus avec un plus de détails. Ah. Alléluia. Donc, pour vous comprendre, c'est un peu cela. Nous allons prendre toujours notre sujet dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Nous allons lire le verset 8. Le verset 8 va lire. Matthieu. Chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, verset 8. Oui. Une autre partie tomba dans la montagne. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Je vais prier pour la parole. Je vais sur la tête. Éternel notre Père, éternel notre Dieu. Bien-aimé, alors nous parlons de la sémence. Pour qu'une sémence puisse produire, la sémence doit être sur une bonne terre. Il faudrait qu'il y ait une terre disposée. Et nous savons que lorsqu'on parle de sémence, il s'agit de la parole de Dieu qui est ensemencée. Mais la sémence aussi est appelée fils du royaume. Donc quand on parle de la bonne sémence, ce sont les fils du royaume de Dieu, des fils de Dieu, qui sont appelés la bonne sémence. Mais qu'est-ce qui fait les fils du royaume? C'est la parole. Alléluia.
C'est de cela qu'il s'agit. Après terre qui sont nos cœurs, où le Seigneur jette sa semence, doit être des terres disposées. Les cœurs sont faits pour écouter la voix de Dieu, la parole du Seigneur. La terre est faite pour recevoir de la part de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, nous allons lire cela, verset 22, chapitre 22 du moins, Jérémie, chapitre 22, le verset 29. Jérémie 22, verset 29. Oui. Terre, terre, terre. Terre. Donc la terre, vous voyez, c'est le manche de Dieu. Mais elle est faite pour être fertilisée. Pour donner du fruit. Terre. 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 Oui, bien vrai. Écoute la parole de l'Éternel. Donc la terre est censée être disposée pour recevoir. Pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. En fait, Dieu parle de terre, Dieu s'adresse aux hommes. Dieu parle au cœur des hommes. Écoutez, nous disposons pour recevoir, pour entendre la voix de Dieu, la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. Ah, il est spécifique ça. Ésaïe 55. Oui. Partie de verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oui. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors.
Tu fais quelque chose, tu le fais, ne le fais pas. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais. Et aujourd'hui, dans le monde religieux, il y a beaucoup d'iniquité. On prêche la parole de Dieu. On réveille aux hommes le baptême authentique. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était le baptême pratiqué par les apôtres et les prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que c'est la vérité, mais quand même ils pratiquent le baptême. C'est l'iniquité. Alors que dans le Seigneur Dieu, ils ne sont convaincus que c'est la vérité. Mais s'ils le font, ils le font, c'est comme s'ils reniaient la foi, le credo. Alors, certains préfèrent être fidèles à la dénomination plutôt que d'être fidèles à la parole de Dieu. C'est l'iniquité. Or, un vrai enfant de Dieu, quand il découvre selon la parole, que telle chose est la vérité, il s'abandonne à cela. Il se plie à cela. Et le Seigneur exhorte les iniques à abandonner leur foi. Oui, bien aimé. Qui là? Qui le retourne à l'Éternel, oui, qui aura pitié de lui. Donc, je veux pas de la pitié. Parce que l'iniquité, c'est aussi de la folie. Parce qu'il faut être fou pour le faire. On te dit, bien aimé, passer la doctrine. Une femme ne va pas se vêtir à la Bible, à la Bible d'or. Elle le dit. Elle voit que c'est la vérité, mais elle raisonne. Elle refuse de l'accepter. C'est de la folie. C'est de l'iniquité. Et Dieu parle de pitié. Si la personne ne comprend, Dieu aura pitié d'elle. Mais si elle ne comprend pas, c'est la catastrophe. Alléluia. Oui, nous continuons bien aimé. Écoutons bien. Qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, notre Dieu, il ne se fatigue pas de pardonner. Parce que nous sommes dans la période de la grâce. Mais un homme va venir, ça va venir. Après le départ de l'église de Pousse, où Dieu ne pardonnera plus. C'est-à-dire, tu t'es trompé. Après l'enlèvement, tu es parti voler. Mais fait que tu es volé, personne ne t'a vu. Mais Dieu ne pute le péché du vol. Cela ne peut plus être pardonné. C'est pourquoi dans les apocalypse, il est dit que celui-là qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie encore davantage. C'est vers les yeux. Pourquoi? Parce que la grâce, ça n'est rien. Tu as menti, tu deviens un menteur. Parce que le sang de Christ a pu effacer. Les choses seront difficiles. Le jugement sera là, présent. Et c'est là que les gens vont facilement contenter de la réception de la marque de la bête. Parce que à l'époque, tu as menti. Le mensonge s'attache à toi et tu continues réellement à vaguer dans le mensonge. L'esprit qui est en toi va te dire que tu as quitté la voie de Dieu. Et que pourquoi ça n'est plus. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? C'est de te rallier à l'image de la bête et à la marque de la bête. Mais en ce moment-là, les vierges folles seront prises de la terre. Là, maintenant, un esprit que Dieu va leur donner pour faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit que parce qu'elles seront maintenant avisées en ce moment-là, elles vont recevoir maintenant un esprit de sagesse. Elles vont refuser de s'allier à cette situation du mariage et de la marche de la bête. Et elles finiront par être toutes civiles. Alléluia. Amen. Alors, Dieu pardonne pour nous. Oui, bien aimé. Écoutons bien. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix. Alors, le Seigneur nous fait savoir que ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est ça la sagesse. Or, la pensée, quelle est l'exprimée et les paroles, n'est-ce pas? Donc, nos pensées, ce sont nos paroles qui n'ont pas été exprimées de manière.
verbal. Mais nos pensées parlent plus fort que nos paroles. Crie plus fort. C'est pourquoi Dieu dit les pensées de nos cœurs. Et Dieu a ses pensées. Et les pensées de Dieu, c'est sa parole. Et Dieu dit, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Que les hommes prennent garde. Parce que les hommes deviennent. Et puis ils véhiculent la pensée des hommes. Mais c'est dangereux. Ça détruit. Ça abîme l'homme. Au lieu de faire l'œuvre de l'homme, un bon chrétien, ça fait de lui un soi-disant chrétien. Parce que c'est la pensée de l'homme qui est mise au devant. Pourquoi? Parce que la pensée de l'homme est mélangée dans la pensée de Dieu. C'est ce qu'on appelle la dénomination. Le mot dénominationnel n'est pas écrit dans la parole. Mais on parle de l'église organisée. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la charole, la folie. C'est ce qu'on appelle l'impureté. Alléluia. Oui, bien aimé. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Les cieux sont élevés au-dessus de la terre, oui. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Les voix, la voix que nous marchons, nous suivons, les voix que nous suivons ne sont pas les voix des hommes. Ce sont les voix de Dieu. Ce sont les voix qui nous viennent du ciel, du royaume des cieux. Alléluia. Oui, bien aimé. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, oui. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc les pensées, les deux sont élevées au-dessus de nos pensées à nous, oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, oui. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé, oui. Fécondé la terre, oui. Et fait germer les plantes, oui. Sans avoir donné de la semence au semeur, oui. Et du pain à celui qui mange. Donc on parle de semence. Alléluia. Le Saint-Esprit a plusieurs formes. Comme tout à l'heure, la question que je vais poser, le Saint-Esprit est pris comme l'état de l'huile. Le Saint-Esprit est de l'huile. Le Saint-Esprit aussi, c'est la lumière, c'est le soleil. Le Saint-Esprit aussi, c'est la pluie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit descend pour arroser quoi? La terre. Mais quand, pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu arrose la terre? Ça vous permet aux semences de germer. C'est le but de la pluie là-dedans. Mais bien aimé, le Saint-Esprit c'est la pluie. Est-ce que pour autant il ne pleut pas? Si la mauvaise semence comme la bonne semence, la pluie descend sur les deux semences. Quand la pluie descend, ça tape le paillet. Comme ça va aussi le païen. Le païen qui est parti cultiver son champ. Quand la pluie vient, il vient là. Aujourd'hui, là, Dieu a pensé à nous. Alléluia, gloire à Dieu. Mais pourtant, il n'est pas l'église. Lui, il bénit Dieu dans un esprit donné. Le bon, le chrétien, lui aussi vient. On a prié, alléluia, gloire à Dieu, la pluie est descendue. Les autres chants. La même pluie de Dieu nous chicote tous. Quand on sort dans la rue et qu'il pleut, la pluie tombe sur les bons et les méchants. N'est-ce pas? Le soleil, il brûle tout le monde. Le soleil brûle sur les bons et sur les méchants. C'est bon? Mais c'est par la sémence qu'on voit la différence. Mais ne pensez pas que les méchants aussi ne donnent pas les fruits. Ils produisent aussi. Et dans ce que l'on a étudié, la production de la sémence est appelée l'hiver. Parce que
Matthieu, il ne parlait des croyants, les attitudes, la méthode, la manière dont les croyants se comportaient pour donner le fruit escompté par Dieu. Il ne parle pas des libraires. Il parle de la disposition des croyants. C'est pourquoi on parle de la sémence, un vrai enfant de Dieu. Mais qui est tombé dans des endroits qui ne sont pas conformes. Si un enfant de Dieu va tomber dans une dénomination, la dénomination va détruire le vrai enfant de Dieu. Ça n'est pas du mieux. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Européens ne veulent plus réellement se nourrir des OGM? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus qu'on prenne les pesticides pour réellement, comme on le dit, entretenir les aliments? C'est une sorte de tomate ou bien une sorte de piment. On veut que tu fasses pousser le sol naturellement. Sans produit, comme on le dit, phytosanitaire. Pourquoi? Parce que l'eau qu'on traite, les engrais qu'on met dans l'eau entrent dans l'aliment. Et c'est ce qui donne des cancers. Amen. C'est ce qui donne des kystes. Ça donne des anomalies au corps humain. Ça réduit le niveau de vie de l'homme. Ça, le nom le sait. Amen. Et la parole maintenant de Dieu, que l'homme l'a utilisé, allez, c'est quand sa pensée, ça détruit. C'est un modèle. Donc la sémence, alléluia. La bonne sémence, ce sont les filles du royaume. Le grain de blé là. Quand tu prends le grain de blé, c'est un bon grain de blé. Quand tu regardes, tu sais que c'est du grain de blé. Mais le grain de blé n'était bon. À l'origine, c'est un bon grain. Maintenant, si tu prends le grain de blé, et puis tu viens, tu peux faire de la salle de l'église de ton champ, alors que tu sais que c'est cimenté. Et puis tu jettes les graines de terre sur, comme on le dit, la place cimentée. Non, tu m'ouvres. Tu penses que les graines de terre vont venir ici. Ça va mourir. Parce que les dispositions n'y sont pas. Les conditions ne sont pas affectées. Si tu ne t'es pas jeté le grain de riz sur la route, alors qu'il y a des bonnes terres à côté. Mais c'est du bon grain. Mais la route là, c'est fait pour passer. Les gens vont passer là-dessus, ils vont traverser, ils vont réveiller, et ils vont tirer, ils vont écraser le grain. Il ne produira jamais. Tout cela, nous ne pouvons pas dire cela. Le même grain, si vous l'utilisez, et que vous le jetez dans l'endroit où il y a la pierre, il ne produira pas non plus. Parce que la pierre n'a pas de terre fertile, n'a pas de terre humide pour pouvoir lui permettre de pousser des racines. Le même grain a besoin de bonnes conditions pour pousser. Si vous le plantez dans des endroits où il y a des épines, les soucis de la vie, la vie du monde, alléluia, vous dites que ces choses-là sont incompatibles avec la vie d'un chrétien. Tu ne veux pas être un chrétien et puis aimer les choses du monde. Amen. Tu ne veux pas être un chrétien et puis être toujours au milieu des païens. Amen. Ce sont des épines. Tu ne veux pas être un chrétien et puis toujours à cause de la richesse de l'argent. Cela va t'empêcher de venir écouter la parole de Dieu. Le maître Dieu va parler de toutes ces choses-là. Alléluia. Ça va t'empêcher de produire. Mais la bonne terre. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu vas dire encore. Nous sommes au verset 10. Comme la pluie ne descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Féconder la terre et fermer les plantes, cela va donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi en est-il de ma parole. La parole de Dieu est la sémence divine. Amen.
combat les gens. Le rôle de la pluie, c'est d'arroser la terre. N'est-ce pas? Féconder, germer, faire germer. N'est-ce pas? On m'a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et lui ne tourne pas sans avoir arrosé. Donc, la première but, c'est l'arrosage. Il pleut, ça arrose le terrain, ça fertilise la terre. Arroser, ensuite féconder, ça permet à la semence d'être disposée à produire, de faire féconder, n'est-ce pas? Et ensuite, féconde la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur. Donc ça veut dire que la semence se reproduit. Et donc, la plus la semence au semeur, et c'est ce qui veut le plante pour créer de la nourriture, pour se faire du pain. Donc, quand il parle ici, il y a un processus. C'est le processus de l'arrosage de la terre. Mais l'aboutissement, c'est le grain, le fruit, la récompense. Finale. Alléluia. Et les grains, le blé, la semence, c'est ce qu'on vit, ou bien on fait moudre, pour fabriquer du pain. Et ça nourrit l'homme. N'est-ce pas? Et ça, c'est le corps physique. Nous savons prendre soin de notre corps. Nous savons entretenir notre corps. Nous savons manger de bonnes choses. Le même processus, Dieu dit que cela est aussi important pour l'âme. De même, ainsi avait-il de ma parole, qui est la semence de Dieu, qui sort de la bouche du Seigneur, parce que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Et ne retourne pas à Dieu sans effet. La volonté de Dieu, c'est cela. Le fruit dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Et accompli ses desseins. Nous allons retourner dans Matthieu. Matthieu 13. Vous avec le plan de l'esprit. Matthieu 13, verset 8. Oui. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alors, une partie tomba dans la bonne terre. Une terre bonne, fertile. Alléluia. Une terre disposée. Un cœur bon. Un cœur fertile. Un cœur disposé. Quand la parole de Dieu vient dans ce genre de cœur, alors il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que nos cœurs doivent être de bonne terre. Oui, bien. Écoutons bien. Un grain 100. Oui. Un autre 60. Oui. Un autre 100. Alléluia. Un autre 30. Donc, le livre de Matthieu, le livre de Matthieu, c'est le livre du lion. On parle de quatre êtres vivants. Le lion, c'est la royauté. C'est l'autorité. C'est le règne. Le président occupe un peu les formes, les fonctions du roi. Ce sont les autorités. Eux, la royauté, quand il est là, lui fait pas. Il regarde les faits dans leur globalité. Chacun doit être bien. Il faudrait que chacun fasse son travail. Il faudrait que dans le pays, il y ait chacun qui soit à son poste.
Il faudrait que réellement chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour que le pays fonctionne, n'est-ce pas? Le roi, c'est pour ça qu'il fonctionne. Il travaille pour l'utilité commune, il regarde tout le monde dans son ensemble. Est-ce que chacun est bien? Il faudrait que chacun au moins ait le minimum pour vivre. Ça, c'est l'être vivant, non. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons lire le verset de lui. Le verset de lui, 23. L'explication. Oui. Dans ce verset 3. Oui. Celui qui a reçu la semence dans la bonté. Oui. C'est celui qui entend la parole. Il entend la parole, oui. Il entend la parole et la comprend. Il la comprend. Donc il écoute. Parce qu'il faut venir écouter. Et ceux qui ne veulent pas écouter, ils ne vont pas. Il faut venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu ne veux pas à l'église, tu ne l'écouteras jamais. Parce que c'est là que Dieu a établi le ministère de sa parole pour parler de sa part. Parce que c'est la bouche de Dieu qui parle. Et c'est la vie, le conseil de Dieu, la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Il faut écouter. Il faut comprendre. Alléluia. Amen. Quand on t'explique une chose, est-ce que tu comprends? Non, tu ne vois pas encore. Parce que comprendre, c'est voir. Voir, c'est comprendre. Quand on t'explique, on dit, ah, maintenant je vois, je comprends. C'est-à-dire que c'est rentré. C'est cramponné, c'est dégradé. Tu as reçu la révélation de la chose. La compréhension de la parole. Oui, bien aimé. Il porte du fruit. Oui. Et un grain en dansant. Oui. Un autre 60. Oui. Un autre 30. Donc, bien aimé, donc dans la production de la semence, du fruit, c'est varié. Le livre de Matthieu, c'est le livre du lion, l'être du mort, nous fait savoir que un frère peut produire 100 fruits. Un autre peut produire 40, un autre peut produire 30, en fonction de la disposition que chacun a. Ça, c'est la manière dont Matthieu a fait. Et Matthieu, lui, il a parlé de l'aspect de chacun. C'est-à-dire que quoi? Un frère ne peut pas, tous les frères ne peuvent pas produire le même nombre de fruits. C'est pas évident. La parole nous a illustré. Mais un frère peut produire plus de 2 ans. D'autres peuvent produire 10 fruits. Quand vous partez sur des implantations, vous allez voir qu'il y a des manguiers qui ont sur le fruit, sur la. Des mains qui ont 5, parce que vous séchez tout le temps, vous comptez, vous avez 5 mains. Oh, il y en a, c'est versé, c'est des milliers ou bien des centaines de mangues, n'est-ce pas? Amen. Ça varie en fonction de l'arbre et de la disposition de l'arbre. Donc Matthieu a parlé de la globalité. Nous avons l'avancée de Marc chapitre 4, le verset 7. Marc chapitre 4, verset 7. Oui. Une autre partie tomba parmi les épines. Non, le verset 8 là. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Donc, il parle de la bonne terre, oui. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Donc, le livre de Marc, c'est le livre du foie. Alléluia. Ceux qui veulent pas le foie, on parle de bœuf. Le livre de Marc, c'est le sacrifice. C'est le travail. Et là, il parle de l'individu du travail. Chacun doit être conscient pour travailler. Pour sa foi. Il faut s'appliquer au travail. Donc, la vision de Matthieu, avec un lion, avec un roi, lui, il parle de la globalité. Comment est-ce que je dois faire pour que chacun ouvre, donne du fruit et que chacun réellement ait quelque chose? Ça, c'est Matthieu. Mais Marc vient sur l'individu pour dire. Il faut travailler. Et là, il parle de la croissance. Il parle de la progression.
La première année, tu peux porter 30 fruits. La deuxième année, tu peux produire 60. La troisième année, tu peux produire 100. La quatrième année, tu dois aller de bonification en bonification. Alléluia. Puis de la guérison. Tu peux prendre. Verset 8. Écoutons bien. Verset 10. Verset 8. 8. 8. Oui. Une autre partie de moi dans la voltaire, il y a donné du fruit qui montait et croissait. Ouais. Et elle rapporta 30, 60 et 100. Donc, le fruit qui montait et croissait. Ah. C'est-à-dire quoi? À chaque fois, le fruit monte. Chaque année, ça monte, ça grandit. Le nombre, ça croît. Et un bon chrétien doit bonifier. C'est ça le christianisme. Ce que tu étais hier, tu ne dois plus l'être aujourd'hui. Tu dois être plus que cela. Nous allons partir au verset 20. On voit l'explication. Verset 20. Oui. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Donc toujours dans la bonne terre, c'est l'explication, oui. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ce sont ceux, la semence, la bonne semence, ce sont ceux qui entendent la parole. Il faut venir pour entendre, écouter. Viens à l'église. On vient à l'église selon les humeurs. C'est que tu n'es pas élu. Tu peux être une vieille, mais tu n'es pas sage. La sagesse de Dieu, là, c'est la parole de Dieu qui fait la sagesse. Mais quand quelqu'un a dit pas mal, Dieu dit la parole, ne pas vous assembler. Et que chacun ne dise pas de discrimination. Mais quand tu as dit mal, quand tu es à la maison, tu sais que tu peux venir à l'église. Et puis tu ne viens pas. On te pose la question, tu donnes des arguments. Celui-là, tu as pas dit. Ces pensées-là ne sont pas plus. Voilà. Tu n'es pas clair. Quand tu dis ces pensées sont plus, c'est Dieu d'abord. Amen. J'ai déjà été élevé. On a été élevé. Nous fréquentions dans le temps à Presby. Et l'assemblée était à Presby. L'amour de Dieu nous ayant tellement envahi, on ne peut pas se manquer, se permettre de manquer un culte. On quitte l'école. Si on habite, on rentre à la maison, on se débabouille, ou bien on se lave, on porte, on change nos vêtements et on vient à l'église. Mais souvent, il arrive que les professeurs nous maintiennent. Alors, partir à la maison, c'est manquer le culte. Du départ de l'école, nous atterrissons à l'église. J'étais à Tia, j'étais à ce moment là-bas, on était tous là-bas. Mais j'étais souvent le soir à l'église à Kaki. Je vais m'asseoir. Même si je suis resté qui me laisse 10 minutes, les 10 minutes, je vais terminer à l'église avant de rentrer à la maison. Parce que la bénédiction, tu vas venir la recevoir. Ça dépend de l'esprit. Où est-ce que tu mets ton Dieu? Amen. C'est là où Dieu te place là. Amen. Là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouvera ton cœur. Dans cette assemblée, j'ai vu des sœurs qui marchaient parce qu'elles n'avaient pas de transport du bout de commencer jusqu'à ici à l'église. Ah, cet amour-là était plus éprouvant. Mais alors que d'autres me disaient, je n'ai pas de transport. Mais comment est-ce que je ferais pour venir à l'église? Dieu lui-même sait qu'il n'y a pas de transport, je ne peux pas marcher dans telle distance. Mais la foi a
amener ses soeurs à marcher du temps commandant jusqu'à l'église. Mais c'est ça. C'est la disposition. Alléluia. Donc, ceux qui reçoivent la bonne de la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Donc, la semence de la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Ceux qui perçoivent la parole de Dieu. Et qui font quoi? La raison, il appelle. Il reçoit cette parole avec un cœur sincère et disposé. N'est-ce pas? Amen. Et porte du fruit. 30, 60 et 100. Ou 1. 30. Ensuite 60. Ensuite 100. Ou 1. Ça croit. Ça progresse. Ça monte. Venir à l'église. Écouter la parole de Dieu. S'efforcer. En travaillant pour la pratiquer. C'est le travail de votre foi. Et cela est produit. En Dieu, il n'y a pas de consentement. Amen. C'est pas le temps de commencer bien. Tu peux bien commencer et puis ne pas terminer. Mais il faut bien commencer et veiller à terminer. Parce que le Seigneur dit la fin vaut mieux que ce commencement. Mais si tu as commencé mal, tu ne verras jamais la fin. Comment se tromper? À moins que tu reviennes, tu dois te répandir pour recommencer à zéro. Parce qu'il faut bien commencer pour bien terminer. Mais tu peux commencer et puis au milieu, dévié. Mais ceux-là qui commencent et qui terminent, ce sont ceux-là qu'on appelle le piège sage. Amen. Piège pur. Parce qu'elles ont un comportement de pureté. Alléluia. Nous allons prendre le Luc, bien aimé. Luc, le chapitre 8. Luc, c'est l'homme, la sagesse. Le sage. Alléluia. Il a apprécié les choses avec sagesse. Donne les conseils. Montre les moyens. Les techniques. Regarde quelqu'un est sage. Il dit non, mais pas cela. Si tu fais cela, tu vas trouver un trou. Voilà pourquoi tu dois contrôler le piège. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut appréhender les choses. Ça, c'est lui. La sagesse de l'homme. Oui. Dieu dans le lion. Dieu dans le veau. Ça, c'est pas. Parce que Dieu est devenu homme. Il est devenu sacrifice, n'est-ce pas? Parce que Dieu va venir en tant que roi. Et quand il viendra en tant que roi, il veillera à ce que chacun se porte bien. Que chacun fleurisse. Parce qu'il va se pencher sur chacun d'entre nous. Mais en tant que roi, c'est le sacrifice. Maintenant, Dieu en tant qu'homme. Le verset 8, chapitre 8. Nous allons lire le verset 8. Lire le chapitre 8. Verset 8. Une autre partie pour moi dans la bonne terre. Oui. Quand elle fut levée, oui. Elle donna du fruit au centuple. Donc, lui, il a regardé. Il est parti, il a regardé la fin, le fruit. Beaucoup de fruit. Comment faire pour donner beaucoup de fruit? Oui, les esprits divers. Le regard de Dieu, des aspects. N'est pas ce que l'on pense. Son regard dans le lion, c'est autrement. Son regard dans le veau, c'est d'une autre manière. Et son regard dans l'eau, c'est aussi d'une autre manière. Oui, bien aimé, nous allons aller pour voir l'explication. Le verset 15. Écoutons bien. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce qui est tombé dans la bonne terre,
sont ceux qui, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, et ils ont entendu la parole. Comment? Avec un cœur honnête. Mais la sagesse, c'est de lutte. Nous explique ce que c'est que l'honnêteté. Être honnête, c'est se conformer. Se référer. S'identifier. Qui se conforme au principe de la probité. Ça dit, tu vois clair. Tu ne manges pas n'importe quoi. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne suis pas les hommes n'importe comment et tu ne suis pas n'importe comment. Tu es sobre, tu es propre. La probité, c'est cela. C'est quelqu'un qui voit clair. Il ne fait pas parce que les autres font. Comme l'autre n'arrive pas à l'église, moi aussi je vais pas à l'église. Comme lui, il a fait cela, moi aussi je fais cela. Oui. Les esprits sont différents. Amen. Les têtes sont différentes. Amen. Si tu as fait des maris, tu as ton étrange. Si elle est très riche, il va te mettre en retard, alors que tu peux produire des centaines de fruits. Amen. Sois honnête avec toi-même. Amen. Tu ne veux pas comprendre. Au principe de la probité, tu te vois. Fais venir un témoignage. L'homme est donné par la sainteté de Dieu, poussé par l'esprit de Dieu, pour que l'homme se fasse. Vraiment, moi aujourd'hui là, il faudrait que je dorme à la maison. Est-ce que j'ai le temps? Bon, de toute façon, les autres vont partir. Tu n'as pas le sens de te voir. Quand on a besoin, tu cherches Dieu. Quand tu n'as plus besoin, tu fais ce que tu veux. Dieu dit, tu n'es pas sage. Dieu dit, tu n'es pas pur. Alors Dieu dit, tu es fou. Je mets en vie. Avant de s'en débarrasser, c'est être le président de l'église. De base en présence, pour écouter la parole, assister l'église par ses titres et par ses enfants, participer aux activités de l'église. C'est le sens du devoir. Parce que des cinq frères sont nécessaires pour la vie d'une âme. Donner cinq frères, ça va contribuer à payer l'électricité. Pourquoi nous puissions lire la parole de Dieu? Donner de l'argent, ça va permettre réellement de faire le missionnaire. Pourquoi réellement nous allons aussi apporter la parole à ceux-là qui sont éloignés? Donner de l'argent, ça va permettre aux serviteurs de Dieu de ne pas être indigent en fait de faire la paix. Parce que ça nous demande. Amen. Le sens du devoir. Amen. Mais, vraiment, le problème là sont les gens. Et si t'es moi submergé, vraiment ce mois-là, je n'ai pas payé digne. On ne pose pas ce problème à un chrétien. Ça là, c'est des choses élémentaires, c'est des pays à part. Il a déjà fini à ça. On n'a même pas besoin de lui de payer ses dîmes et ses offrandes. On est ses prémices. Parce que ça là, c'est déjà cacheté en lui. Il a dépassé cela. Parce que toutes les dièges font ça. La domination, on finit à ça. Amen. À un moment donné, il a été dédié au grand. Même, vous avez pas dit chez les musulmans. Maintenant, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, et puis ils ne pouvaient pas habiter. Ça existe chez les musulmans? Moi, j'en parlais. Ça existe. Maintenant, le chrétien qui fait ça, c'est plus des pays, il est malade. C'est la folie. Donc, qui se conforme au principe de la probité, du devoir et de la vertu? Or, la vertu, c'est la capacité, la puissance que le Seigneur met à notre service par le Saint-Esprit pour nous transformer. Le chrétien est régénéré. Il est transformé de
C'est grâce aux vertus qu'on reconnaît le fruit de chacun. Quand tu es ton mentor, ton frère, et que réellement tu aimes un autre, tu n'as qu'un petit fruit. L'idée. Même quand tu es et que tu es quelqu'un, le fait que tu aies ton frère déjà, Dieu dit que tu es maîtrisé, ça annule réellement le fruit que tu vas avoir. Mais nous voyons, il y a des arbres qui seront coupés. Le Seigneur passant avec les apôtres a eu faim. Il a vu un arbre. Et il avait espéré manger du fruit dans cet arbre. Et quand il a regardé, il n'a vu aucun fruit sur l'arbre. Mais pourtant c'est un bon arbre. C'est un arbre qui donne du fruit. Qui est fait pour donner du fruit. Et le Seigneur a regardé l'arbre et dit, ton rôle là, c'est quoi? Quel est ton but sur la terre? Le Fils de Dieu. Dieu est devenu homme, passe. Il a eu faim. Et il n'a rien trouvé en toi qui puisse réellement le soulager. Alors, il ne pousse plus en toi de fruits. Et là, va sécher. Parce qu'il était inutile. Il boit l'eau de pluie. Il jouit la chaleur du soleil. Tout cela, cadeau. Tu viens, tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois le flèche. Tu reçois le conseil de l'esprit. Mais c'est toujours toi. Oh, mais j'ai dit, paye-y. Paye au sein. N'insulte pas. Ne mens pas. Ne vole pas. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Viens rire. Mais j'ai pire qu'un étudiant. Qu'est-ce qu'il t'attend? C'est la coupure. Alléluia. Et bien aimé. Donc vous faites. Ayant entendu la parole avec un cœur en un dépôt, oui. La retient et porte du fruit avec persévérance. Il la retient. Il retient cette parole, il la garde avec peur. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il porte? Il porte maintenant du fruit et il persévère. Persévérer, c'est demeurer dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, dans ce qui est correct, dans ce qui est véridique, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voilà la réalité. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, nous avons dit. Nous le mettons en Hébreux, chapitre 4 et 6. On voit. Chapitre 6. Écoutons bien, frère. Je laisse l'état. Écoutons bien. Je vais en passer. Hébreux chapitre 6, partie de ce cas. Oui. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Bien aimé, nous devons faire attention. Ceux qui ont été éclairés, qui ont reçu la lumière de Dieu, qui ont reçu la révélation de Dieu pour leur temps, la pure et véritable parole de Dieu, le retour de la doctrine à la foi des apôtres. Il est impossible. Oui. Il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste. Le don céleste est Christ lui-même. Ils ont goûté Christ. Ah, il est bon. Goûter Christ, c'est la meilleure chose qui ne puisse exister. Oui. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont dansé par l'Esprit, ils ont parlé par l'Esprit, ils ont fait des choses poussées par l'Esprit. Ah. Oui. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont écouté la bonne parole du Seigneur. N'est-ce pas? Oui. Et les promesses
du siècle à venir. Et la puissance des puissances du siècle à venir ont pu des autres silencieux. Oui. Et les puissances du siècle à venir. Oui. Et qui sont tombées. Donc maintenant ces personnes. Regardez. On peut être égalé. On peut goûter le don céleste. Deux. On peut avoir part au Saint-Esprit. Trois. On peut avoir goûté à la bonne parole de Dieu. Quatre. Les choses naturelles. Les puissances des siècles à venir. Cinq. Et puis tomber. Bien aimé. La foi n'est pas un combat. Si tu ne sais pas tout ça, tu dois t'évaluer. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, il faut beaucoup d'humilité. Amen. Parce que tu ne marches pas pour plaire aux hommes. Tu ne viens pas ici parce que tu veux qu'on te voie. Mais tu sais que tu tiens ici pour aller au ciel. Amen. Tu viens de nous continuer. Et qui sont tombés? Oui. Verset 6. Et qui sont tombés? Très bien. Soit encore renouvelés. Oui. Et amenés à la repentance. Oui. Puisqu'ils crucifient pour leur part oui. Le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Bien aimé, c'est le récit du Seigneur, de sa parole. C'est pourquoi quand des frères viennent et que toutes ces choses sont passées, ils ont été éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont fait ceci, cela, écouté la bonne parole de Dieu. Lorsqu'ils tombent, Dieu dit, il est impossible, la promise par les démons. Ça finit. Ça, on appelle cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu dit, on ne peut plus rien faire pour eux. Une croix et une chimie. Mais pourquoi? Yes, c'est vous. J'ai bien entendu. Soyez serviteurs de Dieu à donner un commentaire. Et il y a un individu qui s'est levé, vous dit que lui ne le connaît pas comme serviteur de Dieu. Il y en a qui contestent avec les serviteurs de Dieu. Mais ce qu'il dit là, c'est les Écritures. Il va le pousser par l'esprit, et puis quand tu te lèves, parce qu'il n'est pas, tu n'es pas de toi avec lui, parce que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas lui que tu vas, ce n'est pas celui que tu vas, c'est contre ce que tu as dit par sa bouche que tu vas. Amen. Et crucifie alors le Seigneur de gloire. Alors, puisqu'il crucifie, pour avoir le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie, à cause de le nom du Seigneur est gâté. Puis bien aimé, on va se dire. Écoutez bien. Lorsqu'il est abreuvé par la pluie. Lorsque la pluie tombe sur terre, lorsque le Saint-Esprit vient. Et réellement, comme on le dit, abreuve notre cœur. C'est ce que ça veut dire. Parce que la terre, là, c'est notre cœur. Oui. Lorsque tu es abreuvé par la pluie qui tombe souvent sur elle, oui. Produit une herbe utile oui. À ceux pour qui elle est cultivée, oui. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Bien aimé. Un enfant de Dieu doit participer à la bénédiction de Dieu. Il doit être une bénédiction pour son frère et pour sa soeur. Tu sais, la soeur de Dieu. Et la pluie, on dit souvent, quand on parle de pluie de la parole de Dieu, ce sont des enseignements. Alléluia. La manière dont la pluie descend sur les enfants de Dieu, ce sont des enseignements que le peuple de Dieu, le Seigneur donne aux enfants de Dieu. Parce que c'est par les enseignements que le Saint-Esprit apporte les enfants de Dieu. Donc, ne sont pas de plus d'enseignement. Et l'enseignement produit la bénédiction à chacun des enfants de Dieu. Quand on dit un frère a une difficulté, venons lui en aide, tout le monde se moque.
mobilise parce que nous sommes une bénédiction pour chacun d'entre nous. Mais quand moi j'ai besoin, là je suis disposé. Mais quand je n'ai plus besoin, tu m'en fous des autres. Tu n'es pas en bénédiction pour le Seigneur. Tu fais du mal à qui? À toi-même. Oui, bien aimé. Pour une habitude à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Oui. Verset 8. Oui, mais. Mais, si elle produit des épines et des chardons. Alors, il y a des semences qui produisent des épines et des chardons. Ça, c'est pas la semence de Dieu. N'est-ce pas? Un frère ne peut pas haïr. Un frère ne peut pas mépriser. Un frère ne peut pas réellement en vouloir à son père. Un frère ne peut pas classer son père. Il ne veut pas produire des épines et des chardons. Épines et chardons. Ce n'est pas la bonne séance. Oui, frère. Oui. Elle est réprouvée. Rejetée par Dieu, oui. Et pourrait être maudite. Elle est prête d'être maudite, oui. Et on finit par y mettre le feu. Et on finit, c'est le feu maintenant de l'enfer. Tu vas finir par la brûler. Salut. Nous disons ce que nous sommes. Le Père est avancé. Vous connaissez le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu qui a une bonne sémence, quand il produit du fruit, c'est cela. Mais ça commence à voir l'amour de Dieu. Je vous dis vrai. L'éternel, ton Dieu, est unique. Le seul et le vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Israël, tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. N'est-ce pas? Amen. Et voici le second commandement qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà les amis. Quand on est dans ça, on est sûr qu'on va au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a un passage que je vais pratiquer. Souvent on a peur des catastrophes. Accroche-toi à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait des discothèques. Je l'ai dit, souvent on fait. Il y a la volonté de Dieu par cette église. Ça. Dieu ne se trompe jamais à cela. Et puis aussi, il y a des révélations. Mais les révélations peuvent être fausses comme peuvent être vraies. Quand nos vers sont vrais, Dieu veut changer le cours des choses. Il montre la pensée de ce qui arrive et il détruit cela. C'est moi le Seigneur qui change vos malédictions en bénédictions. Amen. Quand tu veux venir à un enfant de Dieu, Dieu te joue cela. Ce que les enfants de Dieu ont besoin de faire, c'est de demeurer dans le conseil divin. Dans la parole de Dieu. Ma chérie. Approchons-nous à la parole. Et Dieu sera pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.